ma première répétition générale. Je m'en souviens encore. Ce n'a pas forcément été facile, mes débuts de chef de chœur. Faire comprendre l'importance de l'engagement, de la discipline, de la rigueur, continuer d'être exigeante, ne pas lâcher, persévérer, et bien sûr, leur donner le plaisir de chanter. Entre ceux qui dormaient, ceux qui ne tenaient pas en place, ceux qui rêvaient, qui avaient un problème ou qui ne se sentaient pas trop concernés, il y avait des moments où c'était à s'arracher les cheveux. Combien de fois j'ai douté? Combien de fois je me suis demandé si on allait y arriver? Je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas lâcher. C'était plus fort que moi. Je me devais de les tenir, de les mener au bout. Je me revois encore arriver sur scène. Attends, moi, c'est logique. Je m'endors sur le canapé pendant que tu expliques. Alors je ne peux pas savoir ce que tu expliques si je m'endors sur le canapé. Alors là, c'est bon. Le problème, c'est mes parents. Quand je leur ai dit que je ferais bien la chorale, histoire de rester avec les copains, ils m'ont dit d'accord. Mais tu gardes le violon, vu qu'on a payé le violon, et tu gardes le foot, vu qu'on a payé la cotisation, et il y a quand même plus d'avenir dans le ballon que dans le champ choral. Alors j'ai tout gardé. Plus les sorties, les devoirs, et je tiens pas trop à lâcher les séances de cinéma parce que c'est moi qui m'occupe du ciné-club au Bahut, alors t'as l'air du Nandou si t'es pas dans le coup, tu vois? Bon, sachant qu'il faut quand même dormir un peu, et moi je suis plutôt du genre gros dormeur. Si j'ai pas mes 10 heures, mon horloge biologique, elle déconne et je deviens irritable, mais c'est pas le but de la madame non plus. Tout ça pour te dire que quand j'ai vu le canapé en coulisses, je me suis dit que le temps que tu expliques, parce que sans vouloir critiquer, t'es du style à expliquer longtemps, Patricia. J'avais pas de mal à piquer un petit bouillon. Et puis, comme je suis plutôt là pour faire l'ombre, c'est hyper bien grave. Dans une chorale, du moment que tu ouvres la bouche en même temps que les copains, ça se voit pas trop si tu parles ou pas. Bon, le problème, c'est que les autres m'ont jamais réveillé, les enfoirés. Mais qu'un jour, c'est le gardien qui m'a trouvé à 9h du mat. T'as pas l'air con, tiens. En plus, je vais expliquer aux vieux que t'as passé la nuit dans un canapé d'une fille qui jouait de la mère de madame à oublier à 15 ans. C'est pas évident, mais bon. Chacun ses problèmes, hein, Patricia. C'était quoi ta question là? Vous êtes sûr que vous êtes comme ça? Vous n'allez pas dire qu'un fille. Si, on a changé. Quand même. Ce serait pas mieux si Inès vous mettait entre vous, tu sais comment? Patricia, enfin chef. Tiens. Je sais bien. Quoi, je sais bien? Inès, c'est Benoît. Mais quoi? Quoi, Inès et Benoît? Ils ne peuvent pas être l'un à côté de l'autre, surtout si Claudius est de l'autre côté. Je comprends rien. C'est pourtant simple, Patricia. Inès, elle est plus avec Benoît. Elle est avec Claudius maintenant. Alors, lui demander de se mettre entre les deux, c'est pas très délicat de ta part. Question psychologie, zéro. Franchement, ta bonne actrice musicale, mais rien de délicatesse qu'il faut revoir. C'est pas possible d'être aussi maladroite. On dirait mon père qu'on n'a pas eu. J'en ai rien à faire, donc ces aventures sentimentales n'ont pas d'étage. J'ai un concert sur votre bureau. On a un public qui est plus que patron, à mon avis. C'est un monde. Très bien. Puisque t'en as rien à faire, je vois pas pourquoi je reste content. Je faisais un effort pour le jour. Mais la tête de Mélanie Benoît, merci, j'ai déjà assez donné. Elle est faite que tout se casse. J'ai pigé, c'est à moi de partir. Merci de contact, Patricia, ça va. Marcel, c'est mieux là, non? On est pas pour resserrer, on respire. Bon, Elian, tu m'écartes les commentaires, merci, ça peut donner à tout le monde. Oh là, je vais pas m'attrister puisque je dérange. Ah non, Elian, je reste pas si tu t'en vas, attends-moi. Patricia, dis quelque chose. En tout cas, moi je ne pas au premier rang avec Alain. C'est qui ça, Igor? Tu connais pas, il est au club qu'il y a. Patricia? J'ai pas trop l'air d'un con, là. Si, merci, c'est bien ce que je me disais. Alors, tu me t'emmènes! Ah, bah, tu m'as déjà fait le coup tout à l'heure. Moi, je vais m'installer près de mes vieux, les fauteuils sont même plus confortables. Je passe encore un deuxième point, on peut prendre un sandal. Chef? On se disait, elle avait fait besoin de deuxième rang. Vu qu'il n'y a pas de premier rang, ça sert peut-être à me faire un deuxième rang par rapport au vide. Alors on va aller voir un coup dans les loges et tu nous appelles quand tu auras pris une décision. Quelle décision? Par rapport à ton deuxième rang. Chef? Lina Malouel, j'écoute. Je suis toute seule, chef. Ça m'a pas échappé, quand même. Je fais quoi alors, chef? Tu n'as pas d'histoire d'amour à rappeler? Non. Pas de gâteau à rendre en prise? Non. Pas de poisson non plus? Non. Pas d'amis à voir dans la salle? Non. Tu m'as fait pas d'aujourd'hui? Si, je voudrais bien. J'en ai là! Il se passe quelque chose? Une personne est prête à chanter? Mais ma journée n'est pas complètement perdue. Une personne dans cette chorale est prête à chanter. C'est-à-dire, je voudrais bien, mais je ne veux pas. Me disais. Un certificat médical, rien de grave, chef. Une petite irritation des cordes vocales. Le médecin a pensé qu'il serait plus prudent. Je vois, je vois. Pourquoi tu dis quand même, Manuel? Pour
Pourquoi, chef? Mais voyons. Parce que la chorale, c'est la vie, chef. Parce que la chorale, c'est le groupe, la solidarité, les tensions, les disputes, les grands rires complices, le sentiment du travail bien fait, la sensation de l'échec, certains soirs aussi. Parce que la chorale, c'est toute façon de dire non à la banalité. La chorale, c'est prendre un risque, se côtoyer, c'est Alain et ses vieux, Inès et ses amours, Monique et ses partitions, et approcher son canapé, le chef, son dernier point perdu. La chorale, c'est le rendez-vous avec le public, nos parents, nos amis, des inconnus aussi peut-être, qui vont nous confier une heure de leur vie. Une heure, ce n'est rien, mais c'est tellement. La chorale, c'est l'argent, la machine des fois accordée ou désaccordée, le battement du nez poisson, aussi de la pluie sur les carreaux. Quand on entend pourtant le soir, un chantier monté, un enfant qui pleure, un vieil homme qui pleure. Voilà donc pourquoi, chef, certificat médical ou pas, il est bien difficile de se passer de la chorale. L'interprétation de la première chanson s'était bien passée. C'était pas trop mal. Par rapport au bazar qui avait précédé avec les premiers arrivés, il l'avait plutôt bien chanté. Et puis, le chœur était enfin au complet.
Notre entrée sur l'écologie, c'était quand même bien senti. J'étais rassurée. Enfin, pas trop quand même, parce que ce qui me faisait un peu peur, c'était cette abanera cubaine qui suivait. C'était quoi déjà le titre? Ah oui, Bete Años. Je me demandais comment ça allait se passer, parce que une chanson sur l'amour qui s'étiole, alors que Monique venait de m'annoncer les déboires de cœur d'Inès et Benoît, j'avais un peu peur que ça parte en vrai. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait la faire, cette répétition. On n'allait quand même pas s'arrêter après le premier chant, et puis, le public était là. J'adore Verdi, j'en avais joué à l'orchestre et je voulais leur faire découvrir. Et puis, c'était le cœur préféré de quelqu'un que je connaissais bien. Alors, c'était un peu mon clin d'œil à moi, mon petit hommage, mais en secret.
J'avais beau m'en douter, ça m'a quand même surpris quand c'est arrivé. On avait perdu Gavroche. En plein verdi, tempo trop lent, note trop longue. Pour lui, c'était pas la plainte d'un peuple opprimé, mais une berceuse. Mais j'étais pas plus inquiète que ça. La suivante allait le réveiller, c'est sûr. Elle pulsait, et puis, Makeba quoi. Une chanson sur Myriam Makeba, ça envoie. C'est moi qui décide, pas eux. On peut faire une pause, Patricia ? On a faim ! Je ne sais pas ce qui me retenait de leur proposer 5 fruits et légumes par champ pour qu'ils tiennent le choc. Mais eux, ils avaient envie de toute autre chose. Question malbouffe, ils maîtrisaient. Eux, à coup de barre, ils répondaient « bar choco ». Bah, les étés!
Et voilà. Après ça, j'imaginais Claudius avec son mal de dos et les autres avec leur mal de ventre. Et pourquoi pas mal au genou ou à la rate? De toute façon, il ne me semblait plus très leur important. Déjà la fin. Pour dire au revoir et rester dans le thème des luttes, on avait choisi ce chant des mondines italiennes qu'elles interprétaient quand elles cueillaient le riz en rêvant à leur liberté. Après, c'est devenu un chant de résistants. Mais bon, ciao en italien, ça veut bien dire au revoir, non ? J'avais déjà plein d'idées pour la suite. Je me voyais leur expliquer que, si j'avais tenu, c'était pour eux, mais aussi grâce à eux, qu'on avait tous tenu ensemble et qu'il fallait continuer. Qu'il fallait imaginer une suite, s'y tenir, ne jamais lâcher et se donner les moyens d'atteindre ses rêves, même si parfois, ils ressemblaient un peu à une inaccessible étoile. Alors j'ai fermé les yeux, j'ai continué à tous les entendre dans ma tête et à imaginer cette suite. Je me doutais bien qu'elle ne serait pas si simple, mais c'était ma quête et ça allait devenir la nôtre.